J'inviterai maintenant Nicole et Martin à se joindre à nous. Nicole est dans sa cinquième année de danse et elle est très, très assidue à ses cours. Après de nombreux spectacles et compétitions, on s'amuse à dire à chaque fois que Nicole avait été très claire avec son premier professeur Félix. Jamais elle ne ferait de spectacle. Maintenant, Martin est très content qu'elle ait pu avoir l'esprit ouvert et accepta les challenges qu'il lui donna. Elle se dépasse à chaque fois. Voici justement le partage que Nicole nous a fait sur sa danse. Au début, j'ai commencé à danser parce que j'aimais la danse, que je voulais bouger, remettre des robes et des chaussures à talons. J'ai eu un superbe accueil des professeurs extraordinaires par leur patience et leur compétence. Ils me connaissent mieux que moi-même et mettre mes qualités en valeur. Je leur dis un grand merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je ne peux plus me passer mes cours de danse. J'ai acquis une assurance et une confiance en moi. Je me suis donné des défis en passant les examens et je suis particulièrement fière du trophée que j'ai gagné l'an passé à ma première compétition de danse. Trophée de la meilleure danseuse dans ma catégorie. Martin ajoute qu'il est fier que Nicole puisse se donner des compliments et une petite tape dans le dos. Nicole continue. Je voudrais dire aux gens de la soixantaine et plus, oui, il y a des jours où je suis fatiguée, que j'ai mal à un genou ou l'épaule, mais... On tourne la page. Dès que je pose le pied sur le plancher de danse, c'est un bain de jouvence et je repars en forme. Pensez-y, c'est super, venez danser. Alors, cette bonne annonce est commanditée par Nicole elle-même. Non, mais sérieusement, merci beaucoup, Nicole, pour ce très beau témoignage. Nicole est tombée en amour avec le boléro, surtout depuis qu'elle l'a vu lors de sa première compétition de danse l'an passé. Elle a donc décidé, ce soir, de nous présenter un magnifique boléro sur le trame sonore du film de Tarzan. Encouragée, chaleureusement, thank you.